tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Vous allez bien? Il fait beau chez vous? Si, il fait un temps magnifique. Le soleil brille, le ciel est bleu. Nous sommes le 26 septembre 2020, toujours, voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un zeste de tourisme. Donc, aujourd'hui, je vous amène à un endroit. Je ne suis pas très loin, je suis à 15 minutes de notre QG, donc pas très loin de Totana. Et c'est un endroit qui est très important pour Totana, pour la ville de Totana, les habitants de Totana. C'est un ancien monastère, cloître, couvent, je ne sais pas trop, dédié à Santa Eulalia. Sainte Eulalie et Sainte Eulalie, Santa Eulalia, c'est la sainte patronne de Totana. Donc c'est vraiment important. Ils appellent ça tout court la Santa. Voilà, c'est la Santa. La seule chose que je me souviens, c'est que ça date du XVIIe siècle. Je n'ai pas regardé, trop regardé avant de venir ici, parce que je me suis dit je regarderai sur place. Le problème, c'est qu'ici, je n'ai pas de réseau. Donc, j'espère de trouver un peu plus d'informations là-bas à l'intérieur. Il y a une partie qu'on peut visiter, une partie s'est transformée en hôtel-restaurant. Apparemment, on mange très 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 bien dans ce restaurant. Nous sommes au pied, à l'entrée, au début de la Sierra Espuña. Donc, c'est la montagne, le récif montagnard qui est ici. Et là, il y a une chose qu'on peut visiter, ça c'est sûr et certain. Il y a une chapelle, la chapelle, elle doit être magnifique. J'ai vu des photos, ça doit être super belle, vraiment avec des décorations époustouflantes, très 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 belle. Et en fait, c'est sur la route. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, on a fait une vidéo avec Ambre. On est allé sur la statue du Christ qui est un peu plus loin, un peu plus haut là. Donc c'est sur cette route. Et voilà, on va visiter. Je vais voir si je trouve un peu plus d'informations. Et ça sera bien sympa quand même. Et puis, allez, venez avec moi. On va voir ce qu'on peut visiter. Pour vous donner un peu l'idée où nous sommes. Au pied de la Sierra Espuña, c'est très rocheux. Il y a quand même des arbres qui s'accrochent. La nature, elle est quand même, c'est quand même quelque chose de magnifique. Je suis toujours étonnée et surprise et en admiration devant la nature, les arbres qui s'accrochent sur les rochers, les c'est vraiment, c'est énorme, énorme, énorme. Voilà, les bâtiments sont ici. Là, en bas, là, contrebas, vous avez la route d'accès qui va vers Totana et l'autre côté qui traverse la Sierra Espuña. Oh, voilà, j'ai trouvé des informations. Il y a un petit bureau information, bien évidemment, information touristique. Donc ici, c'est l'église. La messe est terminée, donc maintenant, je peux rentrer pour vous faire visiter. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors pour vous expliquer un peu, non, j'explique pas grand-chose. En fait, toutes les fresques qu'on voit ici, c'est la vie de Santa Eulalia racontée en images. C'est comme une bande dessinée parce qu'il faut savoir qu'à l'époque,
Au XVIIe siècle, il y a très peu de gens qui savaient lire et écrire. Donc, pour que tout le monde puisse connaître quand même l'histoire des Santa Eulalia, mais ils l'ont peint sur le mur. Et le résultat est magnifique. Santa Eulalia. Voilà, quand on sort l'autre côté de l'église, on a une vue magnifique. Ça, c'est l'hôtel, hôtel-restaurant. Voilà. Bien évidemment, la boutique de souvenirs, des objets religieux. Démarche. Allez. Et j'entends là derrière de l'eau. Alors, on va voir où ça nous mène. Un chemin avec des marches, et là derrière, je vois de l'eau. On va aller voir l'eau. Ça y est, de l'eau. Nous y voilà. Plusieurs bassins, plusieurs chutes. Bon, ça, c'est pas naturel, ça se voit bien. C'est construit par les hommes. On va traverser le pont. Voilà le pont. Je trouve que les Espagnols ont quand même un talent pour aménager des sites tout en gardant le naturel, l'origine, je ne sais pas comment dire ça, de ne pas complètement tout transformer. Bon, là, effectivement, ils ont construit des marches pour créer des chutes d'eau,
Mais tout le reste, c'est laissé au naturel. Les chemins ne sont pas goudronnés, le terrain n'est pas complètement plat, il y a beaucoup d'arbres, les arbres anciens, parce que ça sont pas des arbres, ce ne sont pas des arbres qui étaient plantés il y a un an, hein. Et c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué plusieurs fois sur plusieurs sites. Il garde le plus possible le naturel. Ah, et si on regarde là, tout au fond, là, on va rapprocher un peu. Voilà, c'est la statue de Jésus. On le voit un tout petit peu là. Voilà. La dame tout à l'heure dans le bureau d'information touristique, elle m'a expliqué aussi, elle m'a raconté aussi des choses sur Totana. Donc, et c'est pour ça que je vous montre ça, parce que l'eau de Totana arrive d'ici, arrive de la montagne. Et coule le long de la montagne jusqu'à Totana, jusqu'en bas. Et il y a une fontaine au centre-ville. C'était à l'époque l'arrivée de l'eau pour toute la ville de Totana. Il faut savoir, Totana, c'est une ville ancienne qui date pareil de plusieurs centaines d'années. Donc c'est traditionnel. Il y en a beaucoup qui disent aussi que Totana, c'était l'origine de la région de Murcia. Ça, j'ai pas encore regardé toutes les informations là-dessus. Et donc, ici, c'est le dépôt, l'arrivée de l'eau potable. Los Cuatro Chorros, je crois que c'est les quatre coins ou les quatre angles ou quelque chose comme ça. Et voilà, c'est l'eau qui coule là, qu'on voit, qu'on entend. C'est l'eau qui arrive à travers d'un aqueduc jusqu'à Totana. Regardez la vue magnifique sur la vallée. Là, un peu caché derrière les montagnes, c'est Totana. Les plaques blanches qu'on voit là, ce sont des serres. Couvert avec des bâches en plastique transparente. Alors, nous sommes ici, je trouvais un truc d'orientation. Nous sommes ici en extrême sud du parc régional de Sierra Espuña. Et nous sommes juste à proximité du. On peut voir d'ici, non, on n'est pas à proximité, mais on peut voir d'ici le point le plus haut de la Sierra Espuña. C'est là. Alors, si je peux rapprocher un peu, voilà, c'est celui-là. Il est de 1583 mètres d'altitude. C'est quand même pas mal, je trouve. Ensuite, celui-là en face, il y a 1406. Ensuite, il y a un qui est un plus loin, le nez là qui dépasse un peu, et à 900 mètres. Et le dernier qu'on peut voir, non, pardon, c'est celui-là, il y a 880 mètres et 900 mètres, il y a un peu vers là. Voilà, donc c'est assez haut quand même. Déjà, Totana, c'est pas complètement plat, c'est je crois qu'à 350 mètres d'altitude ou quelque chose comme ça. Mais c'est magnifique. Donc voilà, ça aussi, c'est l'Espagne. Et l'Espagne, c'est pas uniquement la côte, la mer, les plages et tout ça, dès qu'on quitte un peu, on trouve des paysages magnifiques. Regardez, en face, c'est la statue de Jésus. Et ici, en face, juste à côté,
On se trouve devant une statue de Maria. Je ne sais plus laquelle parce qu'il y en a tellement de Maria. Maria Dolorosa, c'est marqué dessus, Maria Dolorosa. Voilà. Bon, je vous laisse. Admirez encore un peu la vue. C'est quand même très beau ici. J'aime beaucoup ce paysage. Je ne suis pas un fan de montagne, pas spécialement, mais ici c'est vraiment très joli. Alors, voyons. La vue derrière moi. C'est très beau. Bon, merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation avec tout ce que vous faites. Continuez comme ça, c'est très bien. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.